Coucou, c'est Pauline. Alors suite à la demande de certaines d'entre vous, je fais une petite vidéo pour apporter quelques compléments d'information, apporter un peu mon expérience, parce que Safia Vendôme a fait une vidéo tout récemment et qui parle de sa monodiète de pommes de 3 jours. Alors comme elle l'a dit, elle n'a pas fait ça pour maigrir, elle n'a pas fait ça pour inciter d'autres personnes à manger juste des pommes pour maigrir. Bon, ok. C'est pas mal. Je pense que c'est bien qu'elle ait dit ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui regardent des youtubeuses sur YouTube et qui s'inspirent de tout ce qu'elles voient et qui peuvent appliquer ce qu'elles voient. Donc. Alors bref, pour mon expérience des monodiètes de fruits, en fait la seule monodiète que je recommande c'est vraiment la monodiète de bananes sur un ou plusieurs jours selon l'envie de la personne. Mais vraiment que des bananes, et bon bien sûr des bananes mûres, hein, vraiment mûres avec des petites taches et tout. Par contre la monodiète de pommes c'est un truc que je peux pas faire. À la limite je peux faire un monorepas avec juste des pommes, mais juste un repas. Je peux vraiment pas faire toute la journée et encore moins plusieurs jours. Je peux pas. Je trouve que la pomme c'est beaucoup trop acide et il faut en manger plein. Alors quand je fais un repas entièrement de pommes, c'est 8 pommes. C'est pas 2 ou 3 pommes comme j'ai l'impression que ce que Safia a fait. Bon, en même temps, je pense qu'elle manque un peu de repères, elle se lance là-dedans, elle trouve ça cool, mais elle manque encore de repères caloriques, et 2 ou 3 pommes pour un repas, c'est vraiment vraiment pas assez, quoi. Donc forcément, elle avait la dalle et tout ça, alors... ce qu'elle aurait pu faire, ou si elle recommence cette monodiète de fruits, elle pourrait manger plutôt 8 pommes pour un repas. Ça, ce serait beaucoup plus satisfaisant. En fait, les pommes, ça va, c'est pas mal, mais bon, c'est difficile de trouver des pommes qui sont vraiment bien mûres et qui sont pas trop acides. C'est pour ça que je préfère me tourner directement vers les bananes, c'est beaucoup plus simple, c'est un fruit qui est vachement complet et tout. Après, les pommes, elles ont leur avantage. Hein. Elles contiennent plein de fibres, plein d'eau, elles contiennent des glucides. Ça va, ça peut être un bon fruit, un bon choix si on aime les pommes. Mais bon, pour toutes celles qui n'aiment pas les pommes, il y a aussi les bananes. Hein. Les bananes, c'est vachement bien. Puis en plus, bon. Ce qui est un peu difficile avec les bananes, c'est qu'il faut un peu gérer la maturité. Hein. Quand elles sont livrées, on ne sait pas du tout quelle sera la maturité, donc il faut attendre, et puis c'est pas évident. Quoi. Donc, le mieux, c'est de les acheter vertes et de les laisser mûrir jusqu'à ce qu'elles soient vraiment satisfaisantes. Alors là, ça commence à être mûr, il y a des petites taches, mais ça ne suffit pas, il faut encore attendre, parce que si on les mange maintenant, elles seront encore trop amidonnées, pas assez sucrées, ce sera un peu plus dur à digérer. Il vaut mieux attendre que le fruit est mûri, quoi. Mais pas non plus qu'il soit alcoolisé et dégueulasse, quoi. Ah non, on ne veut pas consommer de l'alcool non plus, hein. Alors, l'avantage des monodiètes de fruits, c'est qu'on mange que des bonnes choses ultra naturelles, pas de produits industriels, pas de produits d'origine animale, donc rien de transformé, d'hyper raffiné, d'hyper malsain. Alors, par contre, le petit souci, si on veut manger que des fruits, c'est qu'il faut vraiment manger beaucoup et pas manger n'importe quoi non plus. Par exemple, il y a des choses à pas mélanger. Quand on fait une monodiète, on ne mélange pas, donc ça va, c'est réglé. Mais on ne peut pas faire de monodiète avec tout et n'importe quoi. Par exemple, je déconseille à fond de faire des monodiètes avec des fruits acides ou alors avec n'importe quel fruit qu'on n'aime pas de toute façon. Le mieux pour les monodiètes, je dirais, ce serait de faire des monodiètes de bananes ou alors d'autres fruits doux. Mais les bananes, c'est vraiment le plus parfait, enfin le plus pratique parce que c'est pas trop cher et c'est satisfaisant, c'est dense. Alors pour une monodiète, on pourrait manger, je sais pas, à peu près 8 bananes par repas pour une personne moyenne et c'est satisfaisant, c'est plein de fibres donc ça permet d'évacuer tout ce qui traîne dans les intestins depuis longtemps, donc ça évacue, ça fait avancer le transit, ça fait avancer les matières qui traînent, les matières qui stagnent, mais les bananes doivent être absolument mûres. Alors Safia Vendôme m'a aussi dit qu'elle buvait beaucoup d'eau et ça je pense c'est super, c'est vraiment un bon point positif pour bien détoxiner, bien évacuer. Mais il faut aussi se souvenir d'un truc, c'est que le corps, les cellules du corps, elles détoxinent à tout moment, elles se détoxifient, même si on ne fait pas d'action spécifique pour le détoxifier. Donc c'est pas la peine de boire du sulfate de magnésium ou alors d'autres trucs dégueulasses, ou alors n'importe quel produit que des gourous du web vont essayer de vous vendre. Le corps, il se détoxifie tout seul quand on lui fout la paix, quand on le nourrit avec des aliments sains, quand on le laisse se reposer, quand on lui donne assez d'eau. Safia, t'as pas besoin de t'embêter à consommer des produits de détox quand tu manges beaucoup de fibres et quand tu bois beaucoup d'eau. Et en plus, tu fais du sport, c'est bon, quoi.
En fait, je fais surtout cette vidéo pour dire à Safia et à ses abonnés que si elles ont envie de se lancer dans une monodiète ou un monorepas de fruits, qu'elles pensent à manger beaucoup de fruits parce qu'ils sont très pauvres en calories, parce qu'ils sont riches en fibres, riches en eau. Et donc pensez à manger beaucoup de fruits pour vous sentir plus rassasié. Comme ça, vous serez moins tenté de craquer sur tout et n'importe quoi. Donc pensez à manger beaucoup de fruits. Voilà, c'est mon petit conseil. Et quand on fait une monodiète de fruits, on a aussi le droit de manger des verdures tendres, par exemple de la salade, des épinards, du concombre, des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez envie de découvrir mon mode de vie, mes repas, j'ai fait plein de vidéos où je montre mes repas et où je donne des explications, alors n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne pour découvrir un petit peu l'univers du fruit. Mais je mange pas que des fruits, hein, je mange aussi des féculents, des légumes, un peu légumineuses, de la junk food vegan de temps en temps, voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et un petit commentaire si vous avez envie. Je vous dis à très bientôt, ciao.